Bonjour tout le monde, c'est Truc en vrac 69 et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire le test de Siri sur iPod Touch 5G. Donc avec le nouveau processeur qu'Apple a mis dans cet iPod Touch, on peut gérer Siri. Donc en restant appuyé sur le bouton Home. Donc voilà. On peut poser des questions, donc là qui est dans le petit i, en touchant dans le petit i là. Donc par exemple faire un FaceTime, ouvrir l'application photo, dire à Philippe que j'arrive pour envoyer un message, programmer une réunion, chercher le résultat de foot. Et on peut aussi donc faire des recherches sur le web, trouver le numéro de quelqu'un dans les contacts et jouer de la musique. Donc là on va chercher par exemple des pizzerias. Trouve des pizzerias autour de moi. Donc voilà. Trouvez 15 restaurants pizza assez proches de votre emplacement. Donc, on peut voir qu'ici il y a 15 pizzerias. La plus loin étant 1,6 km. Donc, c'est quand même pas mal. On va prendre la plus proche, le Verdi. Avec donc le prix 2 sur 4. Il est fermé pour l'instant. Oui, il est fermé pour l'instant. Donc là, on peut voir les horaires, le numéro de téléphone, le site, l'adresse. Et ici, en dessous, on peut appuyer pour être directement redirigé vers Google Maps. Enfin, faire les plans d'Apple, pardon. On peut voir qu'ici, c'est super proche quand même de chez moi. Donc voilà. On va demander maintenant de nous trouver les résultats du PSG. Donne-moi le score du dernier match du PSG. Ce match n'a pas désigné de vainqueur. De partout entre les Parisiens et les Stéphanois. Voilà, donc il a parfaitement compris ma réponse. Et c'était quand même assez rapide. Maintenant, on va lui demander d'ouvrir un jeu. Ouvre le jeu Run Sanity. Un jeu que je vous ai déjà présenté. Le jeu Run Sanity. Et voilà, c'est bon. Il est ouvert et c'est parti pour jouer. Donc c'est super rapide, ça marche parfaitement et donc il y a vraiment plein de possibilités. Là on va essayer avec un événement. Programme. Qu'est-ce que je prends ? Quand est votre événement ? Voilà. Donc on va dire créer un événement. Ouais. Créer un événement, faire une vidéo. Donc voilà. Là, il va me trouver. Très bien. Pour faire une vidéo. Quand est votre événement ? Créer un événement, une vidéo. Ah, il a oublié un mot. Donc, on va faire. Créer un événement, faire une vidéo. Alors, on va voir s'il a compris. Quand est votre événement ? Une vidéo, là. Demain après-midi. Certainement. À quelle heure commence votre événement ? 16h30. Votre événement pour demain. Dois-je confirmer ? Confirmer. Parfait. C'est dans votre calendrier. C'est dans mon calendrier. Et donc demain, je serai averti à 16h30 de faire une vidéo. Donc on va faire encore un dernier essai avec chercher quelque chose sur YouTube. Cherche la chaîne de Truc en vrac 69 sur Internet. On va voir. Recherche de la chaîne de Truc en voie 69. Ah non, elle n'avait pas trouvé. Cherche YouTube sur Internet. Bah, à mon avis, il doit trouver. Recherche voilà. De YouTube sur le web. Et donc là, ça va directement me rediriger vers Safari pour chercher YouTube. Donc on peut voir que c'est vraiment très rapide. Il comprend presque parfaitement vos demandes. Et un petit plus que Apple a ajouté, on peut dire des phrases un peu qui sont pas vraiment destinées à ça. Par exemple, je vais vous montrer. Raconte-moi une blague. Donc on va voir qu'il va nous raconter une blague. Je n'arrive jamais à les retenir. Voilà, donc il a des réponses assez marrantes. Raconte-moi une blague. Il en a une, je crois, une. Quelle est la différence entre un iPhone et... J'ai oublié la fin. Qu'on peut voir que Siri est amnésique. On peut demander aussi, raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire. J'ai jamais eu de résultat vraiment à ça, mais il répond toujours quelque chose. Ne me le demandez pas, ça risque d'être catastrophique. Voilà. On peut demander aussi,
Quel est le meilleur smartphone? Là, ça va être... Attendez une seconde. Il existe d'autres téléphones? Donc voilà encore une réponse un peu rigolote de Siri. Donc vous voyez que vraiment ça marche parfaitement. Donc c'est à partir de l'iPhone 4S qu'on peut l'avoir. Donc c'est intégré donc avec l'iPod Touch 5G, l'iPhone 5, l'iPhone 4S et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, bah, c'est tout pour le test de Siri sur iPod Touch 5G. J'espère que ça vous aura plu. Aimez la vidéo, partagez-la, commentez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Salut !